Bonjour tout le monde. Pop, 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 pop. Où est la musique? Pop, 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 voilà, hop, la musique elle est lancée. Mais bon, bonjour tout le monde, on est vendredi, c'est le petit live détente. Et j'en ai bien besoin après toutes ces morts sur Holycube. Le petit live détente qui va bien. Salut Pierre, salut les 3 AB, salut J1, salut. Salut, salut, salut Docteur Pi, salut Philbur, salut Arcal, salut Starlord. Et hop, on va continuer à faire notre remontée de l'Amérique avec notre B-17. Hein. On était reparti au Guatemala vendredi dernier. On va retourner au Mexique. On va à Oaxaca. Alors je prononce le X. Parce que j'ai l'impression, quand j'étais jeune, on m'avait dit c'est comme ça que ça se prononce. Mais parce que le X n'est pas une lettre de l'alphabet espagnol, c'est une. Mais le X, on le trouve souvent au Mexique. Toc toc. Il faudrait que je vérifie cette histoire de X. Tu as vu l'envahissement des fleurs sur les cubes? Il faut que j'aille voir. Je suis parti très très loin. Je suis parti chercher du bois de la jungle. Donc j'ai cherché une jungle. Mais comme ils ont étendu tous les biomes, je suis parti à Perpète-les-Bains. Alors le temps que je revienne, j'irai voir ce soir ou demain matin. Il faudrait que je le filme, ils veulent le démonter demain. Je suis pas sûr que quand je liverai demain, j'irai le voir, mais c'est le flower power apparemment, ouais. Le pouvoir des fleurs. Bon, aujourd'hui, c'est pas du Minecraft, c'est de la simulation de vol avec X-Plane 11. On reprendra Minecraft et Holycube demain à 14h. Et merci Edrazes pour le suivi, bienvenue sur la chaîne. Donc, alors on va pas trop traîner, parce que déjà j'ai rien préparé, donc et comme je mets toujours une heure pour me préparer et démarrer l'avion et tout ça. Enfin, j'ai rien préparé, j'ai le plan de vol. Enfin, j'ai le mini plan de vol, il va falloir qu'on le remplisse ensemble. Et puis voilà. Ouais, c'est un vol d'au moins 2 heures, hein, je crois. Donc si on veut être dans les clous pour 18h, si on veut être posé pour 18h. Alors là, il est 7h, il est 7h du matin, hein, au Guatemala. Pop. Oui, on remonte vers Frisco, ouais, donc c'est thématique, la Maison Bleue, elle est à San Francisco. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, théoriquement, on va jusqu'à Los Angeles. Les gens, on va jusqu'aux anges. Et après, au-delà, San Francisco, c'est au-dessus des anges, tu vois, déjà. Et donc, San Francisco, ça sera dans la deuxième saison américaine Pacifique. Et ça sera donc pour après Hollywood San Francisco. C'est bizarre, on dirait qu'il manque la texture des réflexions. Ouais, parce que je pense qu'on est à contre-jour. Il est 7h du matin, donc on est en soleil rasant Après, maintenant que tu le dis. Alors, je pense que c'est dû à la lumière. Le soleil, il est en train de se lever. Donc il doit y avoir un truc. Après, j'espère que j'ai pas surchargé ma bécane. Pourtant, je suis comme d'habitude. On est comme d'hab. Salut Albator. Bon, disco ce soir chez Mi, c'est soirée disco. Bon, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est une petite vue de Flores. On est à Flores, là, on est à l'aéroport Mundo. Oh là, où je suis parti. Vache. Et la voiture, la Google Car, elle a été dans ce machin. Eh, remarque, c'est une rue guatémaltèque. Oh. Senior. C'est le service de bus local. Notre aéroport, il est. Je sais plus où il est. Ah, il est là. Oh, Puma. On en a des chez nous, celle-là. Le bus n'a pas l'air jaune. Ouais, dis donc, ils ont des. Waouh. Eh, c'est les parcours pour passer les permis moto? On dirait pas qu'on est dans un pays espagnol, hein.
Bah ouais, mais c'est l'aéroport. Hein. Il est où l'aéroport du coup? Bon, il est dans le coin. Il doit être là derrière, je pense. Ah, on n'a pas le droit d'y aller là. Bon, tant pis. Allez, on va arrêter de jouer avec ça et puis on va passer aux choses sérieuses. Le temps, il est. Pas terrible. Pas de vent. Bonne visibilité par contre. Broken 1800, 23 degrés. Il est 7h du matin, il fait déjà 23 degrés. Salut Advarez. Alors, ensuite, on va. MMTG. Je sais même pas quel auquel on atterrit. On atterrit à Mox. Bon, ici c'est beau. Pas de vent. Ah, par contre, 6 nautiques terrestres de visibilité, c'est pas terrible. Scatred 1800. Oh là là là. Broken 8000. Où c'est? Me dites pas que c'est là. Ah si, c'est ça. Rorokotlan, Mox. Ah, il y a pas de station météo là. Et bon, vous avez vu, c'est super haut. Donc j'espère que. Oh là 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 là. 7 nautiques de visibilité. Broken 20 000 par contre. Ouais, la visibilité est pas terrible. Bah on a l'habitude. Et par contre, il n'y a pas de vent et les nuages sont assez hauts. Donc ça devrait le faire. Ouais, le dernier coup, on n'était pas dans les clous, mais on n'avait plus d'essence, donc c'était bon, quoi. Par contre, c'est sûr, heureusement qu'il y avait un vor, parce que pour arriver dans ces conditions-là, schlag. Mais bon. Comme quoi ça le fait, hein. Pas besoin d'avoir de l'IFR. Bon, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne au niveau plan de vol. Donc à l'arrivée, montagne. Hein. Ah, il faudrait que je vous le mette mieux. Voilà, comme ça. À l'arrivée des montagnes, il faudrait qu'on vole à 10 000 pieds. On va vers. Vers le Portugal. Donc niveau pair, on devrait plutôt être à 10 500. Hein, puisqu'on est VFR niveau 105. Alors, on décolle de Mundo Maya International. Et ben, j'espère qu'on va décoller de la 28, ça serait nickel. On serait parti. On va aller survoler Palenque. Palenque. Parce qu'il y a le petit Akiza qui a dû nous dire hein, au départ de la saison, on fait la liste des points à survoler. L'IFR est nécessaire quand il y a moins de 10 000 pieds de piste. C'est quoi ça? Les pistes de 10 000 pieds, il y en a qu'en Bolivie. C'est comment ce jeu? En fait, tu fais 300 heures et t'as ton diplôme de pilote. Ah, ça serait cool ça. Ah, ça serait super cool. Qui c'est qui a dit Palenque? Je crois que c'est Akiza. Akiza, il nous a fait tous les temples mayas. Ouais, c'est ça. Il y a une cité maya à Palenque. Et donc, il faudrait la survoler. Alors, je sais pas si on va la voir. Hein. Et puis ensuite. Ah ouais, il nous avait dit à Oaxaca, le Monte Alban. Je sais pas ce que c'est que le Monte Alban. Est-ce que c'est une montagne, ce truc? Bon, il y a une balise, c'est déjà ça. On a 8000 pieds de piste, ça fait presque 3 km. Mais bon, on est à 5000 pieds de hauteur, donc ça fait du 1 km, 1 km 6, 1600 mètres de hauteur. L'atterrissage posera pas de problème, c'est plutôt le décollage vendredi prochain qui risque d'être... J1 dit, moi j'attends le live où la piste est tellement longue que le vol c'est de rouler dessus. Bah, tu te souviens, tu y étais pas là quand on a fait Cap Canaveral? Avec la piste de 5 km. Akiza est fan des cités d'or. Bah, après, ce qu'il y a, c'est quand t'as fait un temple maya, donc on a fait Chichen Itza, on a fait Tikal,
Là, bah, on va se faire palanquer. Bon, y a un peu les incontournables, hein. Pour le diplôme, tu sais que Pierre, tu dis compte un peu plus, mais bon, pas avec un simulateur, mais avec un vrai avion, c'est pas. Avec une cin... Si t'es doué avec une cinquantaine d'heures, t'as le dip... tu peux passer le brevet, hein. La piste de la base Edwards à côté de Los Angeles, elle fait 30 000 pieds, elle fait 10 km. Oh ben, on y va, celle-là. On se la fait. Une piste de 10 km. C'est pas possible. C'est une autoroute en fait, qui ferme de temps en temps. Non, c'est pas 200 heures. Alors, il y a quelques années, je sais, je suis plus du tout au courant de la truc, c'était 12 heures. 12 heures minimum. Pour ne pas repasser de contrôle. Hop, hop. Mais 12 heures par an, c'est léger, hein. Pour le pilote, brevet de pilote standard non professionnel, hein. Les pros, je sais pas. C'est pas tout ça, on blablate et on va être parti à Perpète-les-Bains. Une autoroute, ça me rappelle la piste temporaire en Suisse. Bon, je vois pas du tout de quoi vous parlez, les gars. Alors, en fait, la nav est simple. On décolle de MGTK. Alors, on va quand même mettre à jour notre truc, hein. MGTK. Donc, c'est. Oups. J'appuie sur toutes les touches, il va bien finir par y en avoir une qui marche. C'est Mundo Maya International. Les pistes ici, c'est quoi? C'est du 10-28. Oh, je le note quand même. Ah bah c'est du 10-28. Par contre, le QFU, c'est 110. Donc 110-280. L'altitude de l'aérodrome, c'est 407 pieds. Ça, c'est intéressant pour régler l'altimètre avant de partir. Est-ce qu'il y a une fréquence? Oui, il y a une fréquence, madame. C'est tic. C'est pas TikTok, c'est tic tout seul. C'est 113,30. Hop. Alors, première branche. On va voler au 283. Cap. Alors, vous ferez attention de ne pas vous tromper, hein, pas comme le dernier coup, hein. Bande de petits nigauds. Et sur 130 nautiques. On verra ce que ça ferait après. Et là, normalement, on arrive à Palanque. Donc, c'est PQE, Papa, Québec, Echo. Il y a un VOR, hein. Et il émet sur bah, 115. 115,00. C'est pas une bitumée la KE Delta Whisky? La piste 1735. Bah, il faudra le resignaler quand on fera la deuxième portion. Quand on sera arrivé. Je pense que de toute façon c'est la base de Top Gun, cette base, non? On va faire un tour, hein. Oui, oui, je connais. Hein. Bah, j'ai travaillé en Suisse, hein, alors ils étaient fiers, hein, de leur aviation. Salut Orphée, merci pour le suivi, bienvenue sur la chaîne. Allez, on continue. Ici, on a une toute petite branche pour aller sur le site. Ça sera le cap 191 et ça te prend 3 nautiques. Il va peut-être falloir ralentir. Ensuite, une fois qu'on sera à Palanque. Donc là, c'est le site de Palanque. On va se prendre le cap 262 sur 270 nautiques. Ouh. Et on va directo sur Oaxaca. Et là, il y a une balise. C'est OAX Oscar Alpha X-Ray 112.
Ah, je vais la noter là. OAX 112.0. J'ai mis un 0 plutôt qu'un O. Voilà, ça fait mieux là comme ça. Bon, ben on a tout. On va calculer le temps que ça va nous mettre. Donc, première branche, 39 minutes. Deuxième branche, moins d'une minute. Troisième branche, 81 minutes. On en a donc pour... Il ne fait pas le calcul. Ah, il ne l'affiche pas, brin. Bon, il faut calculer. 39 plus 1, ça fait 40. 40 plus 81, ça fait 121. Leur aviation qui ne vole pas entre 12h et 14h. Puis après, on parlera de leur marine. Salut, Babas la brique. Tu fais quoi? Eh bien, on essaye de conquérir le monde. Simulation de vol aujourd'hui. C'est le petit live détente du vendredi. On fait de la simulation de vol. On vole en B17. Je vous le montre, le B17. Oh oh oh. Eh, j'ai pas montré l'affiche. Donc là, on est en train de préparer le vol. J'ai pas montré l'affiche. Oh 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 oh. Elle est bien cette affiche là. Il y a l'avion qui va me... Il veut me tuer l'avion. Et moi je fuis et je m'en sors. Ouais. Zeddy Grant. Très beau film. Très très beau film de Alfred Hitchcock. Et merci Jay. Alors, donc 40, oui, 1h, 121. On va mettre donc 121 minutes. A priori, on va pas se perdre. On va embarquer 1600 kg de pétrole. On va tout de suite aller le mettre dans le bazar pendant qu'on y pense. Ah. Qu'est-ce qu'il vient de me faire, OBS ? Qu'est-ce que j'avais fait moi? Ah, je sais plus. Ouais, ok. D'accord, j'ai de la chance. Bon. Donc j'ai dit 1600 kilos. Si je ne m'abuse, ça fait quelques affiches un peu plus sérieuses alors. Ouais. Rire diabolique. Ouais, c'est vrai que ça fait quelques affiches plus sérieuses. Ouais. Tac, tac. Donc la prochaine. Alors, vol, régler masse, on emmène 1600 kg, donc 800 dans les chaque aile. Et là, il cafouille à chaque fois le truc. Je sais pas pourquoi. On va lui redemander. J'ai bien 800 et 800. Combien on est? Oh, on est nombreux. On pourra jamais emmener 62 personnes. Hein. Plus moi 63, ça fait 6300 kilos. Ah, vous avez vu là le trait rouge? Est-ce qu'on s'amuse à voler à la masse max? C'est-à-dire 30 tonnes. Ça pourrait être rigolo, surtout à l'atterrissage. On le tente? Allez, hop. Bah ouais, parce qu'il n'y a quand même pas grand-main de place. Hein, Un petit peu serré là-dedans. Hein. Là, si on se retourne, on vient de là-bas. Hein. Il y a c'est étrange, hein, Pierre. Masse max, bien sûr. Je fais même pas de sondage. Hein. C'est même pas la peine de vous demander. Hein. Bande de petits voyous. Alors, tout à l'heure, on a dit combien de pieds? 407. Bah, on n'est pas loin. Hein. Ouais. Allez, 407, ça doit même. Allez, réglons-le très précisément, notre altimètre. C'est bon.
Bon, on est prêt à le démarrer, le bousin. Donc on y va. Checklist. Je pense qu'on a... Ah non, on a pas... Si, on a regardé la météo. Si, si, on est au top. Ça m'étonne. On a dû oublier quelque chose. Donc, frein de parking. Serré. Roulette. Serré. Volet de capot. Zouvert. Hop. Zouvert. 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 Fuel. Vérifier. Sélection réservoir. Blablabla. Contrôle de vol. Ah, faut que j'aille chercher mon... Il faut que j'aille chercher ma poignée, je l'ai pas préparée. Ah, brin. Hop. Et j'ai ma... J'ai, j'ai le copilote Kello. Un copilote. Vous êtes prêts? Hop. Allez, installe-toi là. Voilà, il se met à côté de moi en place gauche. Enfin, en place droite. Ah oui, contrôle de vol. Alors, vous remarquerez que ils ont été mettre un arbre... C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, gouverne de profondeur. Hop, hop. Gouverne de direction. Hop, hop. Aileron. Hop, hop. C'est tout bon. Calibrage du pied d'estal. Le MPS à 1. On appuie sur les boutons. Tac, tac, tac. On manipule un peu tout pour vérifier que c'est pas bloqué. Le torque. Ah, on le met à fond derrière. On rappuie sur les boutons. Le dernier coup, on avait oublié de rappuyer dessus. Et on le remet à 8. Hop. Hélice, gaz, tout ça c'est OK. On va donc mettre en route le bazar. Batterie, il y a 3 boutons. Tac, tac, inverseur. Tac, tac. Le beacon, on l'allume. On coupe le master. Il faudra penser à le rallumer tout à l'heure. On va... La pompe du 2. La magnéto 1 plus 2 du 2. Et... Voilà mon pépère, t'es parti. Allez. On démarre le 1. Je baisserai le son tout à l'heure. Hop. Règle à 1250. Histoire que ça pétouille un peu là. Hop, le 3. Baisser un peu le... Et je vais me baisser. Merci, salut Lio, merci pour les 100 bits. Ouf, j'ai pas raté l'avion, merci de m'avoir attendu, bonjour à tous. Je répète le message parce que comme je baisse le son de l'avion, ça baisse aussi le son des alertes et tout ça. J'espère que c'est pas trop fort pour vous, sinon vous me le dites. Il va falloir que je monte la musique, sinon on va plus l'entendre. Il y a un arbre qui pousse. Ouais, j'ai vu, Fulbur. Donc on a tout démarré. On a laissé le temps de chauffer les moteurs. On va renclencher le master. Hop. On va se régler sur notre premier point qui est palanque. Je vais régler la largeur. Hop.
Donc Palanque, c'est 115. Dès qu'on dépasse, on peut pas aller dans l'autre sens. Hop. On va recaler le gyro. Schlack. On n'a pas regardé la piste en service. Ça, c'est pas bien. MGTK, météo, 17 degrés, visibilité 4 nautiques 3, couvert à 1500 pieds. Y a aucun vent. Ben, on va décoller de la 28. Donc, briefing départ, on décolle de la 28 et on va tout droit. Par contre, on monte à 1500 pieds. Mais c'est couvert à 1500 pieds. Ouais, admettons. Donc, le premier cap, ça sera 283. Pop, pop, pop. Toujours aussi difficile à régler ce truc. 283. Donc 1500 pieds. C'est bas, hein. Et le banc 5. Hop. Ah, Lio nous dit, on dit palenque. Ok, merci. Ouais, j'aurais dû m'en douter. D'ailleurs, je me demande si je l'ai pas dit normalement tout à l'heure. Allez, on décolle en 28. La 28, elle est où? On est de quel côté là? Ah ben, on est du mauvais côté, hein. Là, c'est la 10. Donc, il faut qu'on remonte tout. Vous me dites hein, si c'est trop fort. On décolle pas là. Ah, il est coincé dans l'arbre. Ah, ça y est, il bouge. On s'est arraché de l'arbre. Salut mon bon Zélus. Le but, c'est un simulateur, donc c'est de simuler un avion. Oh oui, joli. Ah, ça commence bien. Ah, ça commence bien. Un arbre, une sortie de piste. Ah ben bravo. Et on aurait pu décoller de la 10, hein. Ouais, on va décoller de la 10 et on va pas se remonter toute la 28. Et... Allez, on décolle de la 10 et puis c'est tout. Donc du coup, il va falloir faire un 180 en l'air. Le but d'un simulateur, c'est de simuler, fallait pas faire parler l'informaticien. Ouais, désolé, des formations professionnelles. Non, bah c'est de... On vole en avion, on choisit un point A. Donc là, on est à Flores. Au Guatemala et on va au Mexique à Oaxaca en passant par Palenque. Genre farming simulator, le contenu est super varié. Tu veux dire le lundi tu fais du blé, le mardi tu fais des betteraves, le mercredi je me moque. Hein. Non, c'est super varié aussi.
Des fois, on a du des fois, on a du beau temps, des fois, on a du mauvais temps, des fois, on a des montagnes. Là, on va avoir des petites montagnes. On a un temps de brun, donc on va essayer de faire avec. Non, c'est assez varié. On a des pistes en béton longue, on a des pistes en herbe courte. Quelquefois, on a des pannes. Ouais, je vois que tu cherches à comprendre. On cherche à maîtriser la bête. Autant un tracteur, je pense que c'est assez facile à maîtriser, quoi qu'il doit y avoir des conditions difficiles, style des pentes et compagnie. Je sais pas si c'est bien rendu dans Farming Simulator. Et là, un avion, c'est pas si facile que ça. Allez. Il tourne quasi sur place, hein. Mais à un moment donné, il s'arrête, il faut lui remettre de la patate. Mais pas trop, parce que sinon, il part pas où on veut. Il est super délicat à manier, le petit pépère. Ça paraît hyper facile. Mais c'est pas vraiment le cas. Allez, on recale le gyro. On met un cran de. Alors pas un cran, on met un petit peu plus de volet parce qu'on est à la max, on est à la charge max. Hein. On s'est mis à la charge max. C'est pas un jeu casu. Ouais, définition de casu. Non, j'ai une manette. Clavier c'est chaud. Hein. Clavier souris c'est chaud. C'est très très chaud. Il y en a qui le font, mais c'est très très chaud. Bon, ben, on prend un top et puis on est parti. Donc briefing départ. On décolle de la 10. Ben, on va faire un virage à gauche et puis on reprend notre cap 283. Quelle heure il est? 13h37 Zoulou. Ah, on a déjà fait pire. Ah ouais, je monte pas le truc. C'est pour ça qu'il y avait un problème là. Voilà. Heure réelle. Attends, je remets bien proprement le truc pour que ça soit joli. 13h. Bon, le temps de le dire, il est 13h38. Allez, Zoulou. Ah, on est parti, on n'est plus là. Le temps est pas terrible, hein. On va faire avec. Je vais virer mon cahier, je vais le donner à mon copilote. Viens faire un salut copilote. Hop. Hop. Ouais, mon copilote, c'est un mouton. Tac. Frein déverrouillé. Le but, c'est quand même de se prendre pour un mec qui a un casque avec écrit Maverick dessus. Maverick ou un autre. C'est, tu vois, le pilote, c'est son. Son surnom c'est Tartiflette. John Tartiflette Maverick. Allez, on est parti. On a même le top à 39. D'ailleurs, il faudrait prendre le top quand on. Si on se fait une verticale terrain. On n'a rien oublié. Volet, pompe. Ah, les phares! Là, le pilote, il est pas jeune. Ah bah non. Ah, il a de l'heure de vol. Salut Max, le Corfo. Il a du mal à. La roulette, elle a du mal à partir. Hein. Vache. Allez, 100, on décolle. C'est bon. On rentre le train. 400 pieds, donc à 700 pieds on rentre les volets. On va le trimmer un peu parce que. Hop. Sans pieds, on rentre les volets. Hop, volet rentré. On se reprend une petite ascension là, mon pépère.
Oh vache, il a du mal, hein. Enfin, il a du mal. On voit qu'il est lourd. Allez, on en profite pour tout de suite virer. Autrefois, nous faisions des checklists. Ouais, ça c'était avant, hein. Et les checklists, ça va bien 5 minutes, hein. Bien entendu, c'est de la simulation, hein. En aviation réelle, on plaisante pas avec ce genre de choses. Et la piste, elle est là. Alors on capte pas Palenque. On est à 2000 pieds. Bah, le vent était pas, les nuages n'étaient pas censés être pourris là. S'il n'y a pas de nuages, on monte à 10 000, hein. C'est quoi ces nuages de brun là? Ah ouais, mais si on veut voir. Vous me dites si le son est trop fort, hein. Moi, je me suis baissé un peu le son. Oui, c'est à l'échelle 1-1. On a tout le monde, on a le monde entier sauf les pôles, je crois. On peut pas aller voler au pôle. Bon, on a une visibilité de brun, hein, comme d'hab. Enfin, comme d'hab au Mexique, quoi. On va commencer à réduire un peu avant de péter le moteur. Ah ouais, si les nuages sont là, hein. Par contre, on est à combien? On est à 3000 pieds. On va être 30 pouces. Non, mais je crois qu'il y a un truc avec les pôles, le pôle nord, pôle sud. Je sais pas, c'est pas. Ils disent souvent, il faut pas les, on peut pas aller y voler. Je vais mettre le. Et puis on va regarder. Donc on a décollé ici, Flores, la piste est là. Un petit changement de météo, là ce patelin là, hein, on regagne un peu de visibilité. Donc ce patelin là, ça doit être San Andrea, San Andrés, à côté de San José. Ouais, c'est ça, c'est ce patelin là. Alors on va régler les moteurs. Comme on a pas mal, on va prendre la croisière 2, la croisière s'amuse. On est à 3000 pieds, donc c'est du 2050 pour 30 pouces. Pouces. Allez, hop. Bon, le début du voyage, ça va être crapoteux, hein. Alors, 3000 pieds, on risque rien. Enfin, normalement, on risque rien. Est-ce que Palenque. Oui, on aura les premières élévations après Palenque. Après Palenque. Il se passe quoi comme conséquence si tu crashes, si tu t'écrases? Bah, y a une petite animation comme avec l'avion qui se détruit ou pas.
C'est assez limité en fait, hein, puisque le but c'est pas ça. Mais en effet, c'est comme quand tu atterris, quoi, en fait. Le vol est terminé. Donc après, tu dois recommencer. Éventuellement, tu recommences, tu dois rechoisir un terrain d'où partir. On peut pas partir de pleine nature. Donc si tu t'écrases, ouais, bah tu recommences. Jusqu'à ce que tu t'écrases plus. Donc le début du vol va être tranquillou pépère, on voit rien, on est quand même en condition VFR, hein. On voit le sol. Après il faut faire confiance à sa nave, alors on va quand même revérifier deux fois, je sais pas, il y a des fois il y a des gens ils se trompent de colonne. Donc le cap c'est 283 et on est parti à 39. Bon plus le petit tour qu'on a fait on va mettre 40. Donc on est censé arriver à Palenque. Dans 39 minutes, ça fait 14h19. Donc cap 283. On va recaler le gyro et on est bien au 283. Ouais, alors du coup il est compliqué parce que comme c'est un simulateur. Tu dis jeu, mais moi j'ai du mal à qualifier ça de jeu, mais c'est un simulateur de vol. Donc ça te met à la place d'un pilote. C'est plus facile qu'en vrai, mais ça reste. Il y a des choses à savoir. On peut pas commencer. Là, tu me vois piloter un B-17. On peut pas. Moi, je conseille pas de commencer par ces avions-là. Il y a des petits avions, les petits Cessna là, les petits monomoteurs que les pilotes qu'on va qualifier de dimanche, pilotes du dimanche prennent, les pilotes privés pour se balader, qui sont beaucoup plus faciles à manier et tout ça. Là, il y a des cadrans de partout. Ok, quoi. C'est pas le premier avion qu'il faut prendre. Hein. Hein, Pierre, non, je suis pas d'accord. Tous les avions se pilotent de la même façon. Cessna, c'est simple. Bien qu'on peut se crasher, on peut s'écraser avec un Cessna. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Non, il n'y a pas de mode histoire en fait. Hein. Il n'y a pas de mode combat non plus, même si on peut avoir des avions de chasse. Bah là, si on a un bombardier par exemple, on peut avoir des avions de chasse. On peut pas se battre. C'est vraiment un simulateur civil. Après, il y a tous les Airbus. Hein. Quand tu regardes la plupart des lives, des streamings d'aviation, 90% les gars ils pilotent un Boeing ou un Airbus. Et si c'est pas ça, c'est un McDonald's. Ah, il y a aussi des quelques turboprops. Ceux qui font du VFR. Et en plus sur des avions, des vieux avions avec des vieux cadrans, bon bah là tu les comptes sur le doigt de la main. Hein. On ne doit pas être beaucoup. Mais moi, c'est ce qui me botte. Hein. Bon. Ah, je sais pas. Arrivé à Los Angeles, je sais toujours pas ce qu'on va prendre comme avion. Hein. Oh! Encore un lac. On a trouvé un point de repère. Ah, est-ce que ça pourrait être la Laguna Perdida? S'il y a une petite crotte par ici, ouais, c'est ça. La petite crotte là, c'est ce petit, ben c'est cette crotte là. Donc c'est la Laguna Perdida, la lagune perdue, le lac perdu. Tu faisais une pub douce pour ne pas faire peur. Ouais, mais il faut pas. Non, c'est pas bon parce que le gars il va dire ouais, je prends un B-17, je fais mon premier vol sur B-17. Il peut. X-Plane, tu peux le tester. Ben, par exemple, tu le testes et puis c'est bon. Après, tu dis. Déjà, tu n'arrives même pas à le démarrer. Tu dis. Alors, c'est un avion rajouté. Hein, c'est pas un avion qui est dans le jeu. Hein. C'est un avion freeware, un gratte-ciel qu'on peut télécharger et installer. Mais on l'a pas d'office dans le jeu. Après, salut Thomas.
Si tu veux, si tu... j'ai fait des petits tutos spécial débutants. Pour, si tu veux voir, tu vas voir sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist tuto avions. Si tu veux voir comment ça se passe avec des plus petits avions, voir tout ce qu'il faut faire, quoi. Thomas, j'espère qu'ils vont le retrouver, leur lac. C'est le lac qui est perdu, pas nous, puisque nous on a trouvé le lac, donc on n'est pas perdu. Advares X-Plane et avec le matériel adapté, c'est-à-dire pas avec une poignée de jeu, mais avec du matériel professionnel, il peut être utilisé pour faire de la formation professionnelle. Et ça compte les heures, parce que les professionnels, quand ils font de la simulation, ils sont pas forcément dans des simulateurs sur vérin. Ils peuvent être dans des simulateurs normaux. Et X-Plane peut être utilisé dans le cadre professionnel. Donc tu vois que c'est pour ça qu'on dit que c'est limite un jeu. Hein. Et il n'y a pas de mode facile. Contrairement apparemment à FS 2020, où j'ai lu qu'ils allaient pouvoir. Ils faisaient un super modèle de vol, patati patata. Toutes les vidéos qu'on regarde dessus, c'est. Ah, c'est formidable! Et il va y avoir un mode dégradé où on va pouvoir le remettre en mode FSX. Avec un modèle de vol super plat, bah tu conduis un tracteur dans le ciel, quoi. Thomas, tu retrouves leur lac et tu les préviens même pas. Je te pensais pas comme ça. J'ai changé. C'est le pognon sur Holy Cube, ça me grise la tête là. Les diamants là, tous les diables là. C'est pour ça que je fais mon village de l'amour et du partage, pour pas tomber dedans. Bon, niveau météo, j'espère que ça va s'améliorer quand même. Alors, on n'a toujours pas capté Palenque, puisque les aiguilles, elles sont cuites. On va voir quel est le gyro. Bon, on vient de passer la Laguna Perdida. C'est bon, hein. On a encore un petit peu de route. On avait prévu pour 53. Non, on avait prévu à 19. Donc c'est bon. Bon, il n'y a pas de. Pour l'instant, on ne panique pas encore. Ce qu'on va regarder, c'est où est-ce qu'on passe la frontière. Ça, c'est quand même important. Ah, ben c'est là. Ce qui serait bien, c'est de repérer cette rivière. Si on voit les deux petits lacs, eh ben quand on a passé les lacs, on est au Mérique. On est revenu au Mérique. Revenu parce qu'on a déjà monté jusqu'à dans le Yucatan jusqu'à Chichen Itza. Donc là on était redescendu pour se poser au Guatemala, et là on repart. Hop. La prochaine étape ça sera Mérico. Voilà, il y a des trucs de partout à Mérico, Ciudad de Mérico. Hop. Bon voilà. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Il faut déjà qu'on essaye de repérer ces deux petits lacs. Ils sont sur la gauche. On ne devrait pas les louper. Tu vas retourner sur Minecraft, c'est plus ton dada. Ouais, non, pas de souci. Donc moi, je live demain de 14h jusqu'à presque 8 heures sur Holy Cube. Ça sera du Holy Cube. Je continue mon petit parcours sur Holy Cube. Ouh, ça fume. Allô Houston, on a le moteur numéro 1 qui fume. Allô Houston. On n'a pas que le numéro 1, on a aussi le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Salut Blue Pass. Eh ben bonjour à toi. Ah, j'ai pas formé les volets de capot. On va garder les volets de capot. Ça, normalement, c'est après le décollage qu'il faut les fermer. Pareil pour les pompes. Bon, les phares, on les laisse. On devrait gagner un peu de vitesse. Les moteurs sont encrassés. Ah ouais, c'est pas évident quoi.
9 moteurs en étoile, 9 cylindres. 9 x 4, 36 cylindres. Ta-ta-tan. Ça pétouille, hein. C'est le joint de culasse. Ah, c'était le joint de culasse, ça fumerait blanc. Ça va coûter. On peut toujours s'arranger. Ça, ça me fait penser au sketch des inconnus, là. Oh, Pierre. Non, Pierre. Rappelle pas les mauvais souvenirs. Et merci Lio, merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Gros bisous, merci, merci pour la confirmation. Merci pour le soutien, gros merci. Je confirme, ça fume bien blanc, ouais. Ah oui, il faut qu'on repère nos deux petits lacs. Et visibilité de brun. Et sinon, on devrait avoir une rivière à droite. C'est des moteurs refroidis par air, ça fume pas blanc, ça prend feu. Ça fume blanc 10 secondes et brouf. Et je crois que les petits lacs, c'est mort hein, pour les voir. Ils sont sur la gauche, la rivière elle est sur la droite, mais... Ah, il y a une route. Ah, mais c'est pas une route OpenStreetMap, ça c'est un chemin. Les routes, les grosses routes, elles sont avec OpenStreetMap et elles sont en gris. Elles sont grises. Je te l'ai dit, c'est ma récré du vendredi. Cool. Mais t'as raison pour les textures, hein, Jay. Ils brillent plus. J'ai peut-être cassé quelque chose. Il est tout blanc le truc. Est-ce que tu crois que c'est une réaction avec le sel de l'eau de mer? Parce que le pauvre avion, il en a vu depuis qu'on est parti. Hein. On recherche les lacs. Hein. Ah. Alors, ils doivent être derrière des montagnes. Parce que ici, on a des petites ridelles. Hein. Bon, ce qui serait bien, c'est de repérer cette route là. Et après, on devrait pas être loin de la. Parce que là, ça commence à se bosseler. On va se mettre dans la. Hop, dans la vue navigateur. Oh, une ville. Quelle tronche elle a cette ville. C'est pas possible ça. Un zzzz. À tous les coups, c'est Lagunitas. Lagunitas, je pense que c'est ça. Eh oui, avec le petit triangle là. Enfin, c'est pas évident, remarque. Hein. J'ai repéré un petit triangle, mais. Ah, il y a un bout de route qui part comme ça. Hop, tac tac. Et il va couper notre route. J'espère que ça passe là, les trucs. Et par contre, si c'est Lagunitas, ça craint parce que on vient de passer juste au-dessus. Ça veut dire que les lacs, on devrait pas les louper. Ouais, puis après Lagunitas, c'est des petites montagnes, enfin des petites collinettes. Ah bah allez, voilà les petites collinettes. Et tu vas voir que le lac, il va être juste là. Ça passe là. Ouais, ça passe. On est au Chiapas. Pour l'instant, on est encore au Guatemala. Hein.
Il faut. Ça sera après les deux petits lacs que. Après les deux petits lacs, on est au Mérique. Eh, c'est un lac ça. Tanana. Eh, c'est un lac. Salut 32 Kyoto. Et on n'est pas prêt d'y... on n'est pas prêt d'y... on fait le tour du monde, on n'est pas prêt d'y être au Japon, hein. On est au Mexique actuellement. Ah, qu'on est plus près du Japon que de la Tunisie, par exemple, hein. Il y en a un qui demandait toujours quand est-ce que vous arrivez en Tunisie, quand est-ce que vous arrivez en Tunisie. À notre rythme, on n'est pas rendu. Donc premier lac. Donc derrière, on doit avoir un deuxième lac. Alors est-ce que c'est bien le premier? Ou est-ce que c'est directos le deuxième? Le premier, il a une petite crotte. Le deuxième, il est bien plat là. Ah, j'ai mon 486 DX2 qui vient de fermer son écran. Ah, ben là le deuxième. Ouais, avec le truc bien plat. Ok, bon, ben on sent qu'il est deux lacs. Ça roule. Il faut que je relance le. Salut Chris. Amiens, le centre du monde de Z, c'est Amiens. C'est vrai qu'on est. Au tout début, on est parti d'Amiens. Merci J1. Non, on a perdu un moteur, le 486 DX2, on va mourir. Bon, on a capté. Bonne nouvelle, on n'est plus perdu. Bon, on est dans la direction. Hein, grosso merdo mot. Par contre, j'espère que. Normalement, ça passe à 3000 pieds. Hein. On est là. L'altitude minimale de sécurité est à 2500 pieds. Alors, hé. 2500 pieds, on est à 3000. On est à 3000 pieds pile. Donc, ça roule. Et en plus, on va bientôt changer de météo. Vivement qu'on ait un vrai moteur météo dans X-Plane 11. Hein. Ça craint. Tu te rappelles de jeudi dernier? Qu'est-ce qu'il y a eu jeudi dernier? Titarex. Donc on a commencé un tour du monde il y a quelque temps déjà. Et on est parti. Alors officiellement, je crois qu'on est parti de Reims ou de Lille. Mais je crois que la première étape c'était Reims. Reims-Sedan Lille. Avec bien du mal. On a fait la traversée de l'Atlantique Nord. On est descendu le Canada et les États-Unis par la face Atlantique. On a fait les Antilles. On a descendu toute l'Amérique centrale, toute l'Amérique du Sud côté Atlantique pour jusqu'à Ushuaia. Et là, on est en train de remonter d'Ushuaia jusqu'à Hollywood, Los Angeles. Et on est actuellement au Mexique. Du moins, on va rentrer au Mexique. Et on a passé les deux. On a passé les deux lacs, donc on est officiellement au Mérique. Donc, drapeau. On remet le drapeau mexicain. Donc avec l'aigle. Alors c'est pas un aigle, c'est un condor. Enfin, c'est une bestiole en train de manger un serpent. Avec les pattes sur un cactus. Ça vaut un peu notre coq sur le tas de fumier en train de chanter. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est un aigle. Ok, c'est un aigle. Ah, c'était sur un autre drapeau ou c'était un condor? Bienvenido a Mexico. Salut Lynn. Chris dit c'est pas le chemin le plus rapide pour aller au Japon depuis la France. Non, non, une fois au Canada, on aurait pu traverser tout le Canada, ouais.
Mais bon, on n'aurait pas vu. Ça me gratte les oreilles. On n'aurait pas vu Ushuaïa. C'était sympa, Ushuaïa. Alors, on est en train de dériver lentement. Le sol, du coup, se rapproche gentiment. On va peut-être lui mettre un petit coup de... Alors, le vent, il est léger, dit nœud, il nous pousse au fondement. On va lui mettre un petit coup de 288. Ça lui fera les pieds. 288, s'il vous plaît. Oh là 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 là, c'est une catastrophe, ce truc. Allez, hop, clac. Et on va en profiter pour recaler le gyro. Oh, un nuage. Bravo pour l'affiche. Alors pour ceux qui viendraient d'arriver et qui n'ont pas vu l'affiche de GE, un petit détournement depuis, vu que c'est Objectif Hollywood, depuis Ushuaïa, on remonte pour dans le JDR, le RP de la série, on ramène un B-17 à Hollywood parce qu'il doit tourner un film. Donc le thème, c'est un petit peu le cinéma. Et Jay, qui aime bien faire des affiches, a fait des détournements de films. Et donc là... Voilà, l'affiche, c'est ça. Superbe film d'Alz Hitchcock. Alors si vous voulez voir les précédentes, pop, il y a eu Zed Sky, Wind Fighter, Le Guerrier du Ciel, Le Ciel est son terrain de chasse. Celui-là on oublie. Firefox. Le Vol du Phénix. Version ancienne. Zeddy English. À cause de ma prononciation, il paraît que... Octopussy. Alors qu'on n'a que 4 moteurs. Ah, je me souviens plus du titre en français, celui-là. The Iron and the Mighty, c'était... avec le mec qui a jamais été fichu de s'engager dans l'armée pendant la guerre. Mais qui après faisait le fanfaron en disant « moi les communistes, je les écrase, je suis général dans les films. » John Wayne, voilà. Zeppelin. Il m'avait arrangé encore là, le Jane. Haha, Airport 2020. Avec le Concorde. Z Force One, forcément. 198 minutes pour vivre. Maud et Parsi, hein, les deux cousines. Épisode 11, des serpents dans l'avion. Il faudrait que je le voie celui-là. Hein. Et il y a quand même l'acteur qui... Samuel Jackson dans ce film. Hein. Alors, World War Z, forcément, nous ne sommes pas seuls, il est là. Zeddy. Je me souviens plus du titre original. Les Z de l'enfer. Ah ah, contact avec Jodie Foster. Voilà, j'ai une drôle de tête. Hein. The Aviator. L'étoffe des zéros. Bravo, hein. Et mon avis, défiant la mort, ce diable d'homme avait l'étoffe des zéros. Alors, Adrienne, c'était un spécial. Miraculum, bah forcément Top Z. Et y a-t-il un Z dans l'avion? Et B-17, bah c'était le premier de la série. Ready for Takeoff. Alors, un petit hommage. Bon, où on est? Visiblement, on est parti de l'autre côté. Et merci de gérer. Ah, c'est Sully, ouais, Babas. Exact. Je suis arrivé au very large truc. oui, on va lui remettre un petit coup à gauche. Du coup.
Je suis touché, merci. Alors, c'est moi qui te remercie. Puis là, on se remercie pendant des heures. Un petit coup à gauche. 285. On a toujours du crapouilleux. Alors après, ça va se corser. Il va falloir monter. Hein. Mais on dirait qu'il n'y a plus de nuages. On a juste une visibilité de brun, mais on n'a plus de nuages. Alors comment ça se passe du côté de Palenque? Bon, ben on a la ville à gauche. On a le terrain qui va être dans l'axe de la piste. Très très vite, dès qu'on va être au terrain, il va falloir tourner en fait, hein. On reprendra peut-être même en manuel. On prendra au 191 et puis on essaiera de trouver le. Mais bon, si c'est crapouilleux comme ça, on le trouvera pas, hein. Le site. Après, il va falloir se méfier parce qu'il va falloir tout de suite monter, passer au 262 et tout de suite se mettre en montée. On va monter à 10 000 pieds. En espérant que on puisse réinitialiser le pilote automatique, sinon ça va être un peu galère. Bon, on est pas mal au niveau direction. Ben oui, il s'améliore, hein, le jet à force. Comme moi, hein. Le premier atterrissage était pourri, le deuxième était pourri. Je veux pas dire que ces premières affiches étaient pourries, hein, non, c'est pour dire l'amélioration. Ces premières affiches étaient déjà superbes, mais c'est vrai que. Non, par contre, moi, c'est vrai que mes premiers atterrissages, j'ai pété de les. J'ai pété de. J'ai pété de la pièce. Du coup, on a embarqué. On a un stock. Voilà. On a un stock, et puis on a notre. Notre mécanicienne qui pose aussi pour les affiches de la compagnie, bah elle a eu bien du boulot au début. Maintenant ça va mieux, hein, à part les. Non, ça va mieux maintenant. Elle date de quand la dernière boulette que j'ai fait? Vous êtes pas sérieux, les gars. Hein. C'est pas possible, hein. Bon, on est en train de repartir à gauche. L'heure estimée d'arrivée, c'était 19. On est à 13. Toc, toc. On s'est pas écrasé dans l'eau. Pour ceux qui n'auraient pas vu pour ceux qui n'auraient pas vu le non-événement, il y avait une piste, et à la fin de la piste, il y avait une petite flaque. Le B17, il arrivait un peu vite, et puis j'ai freiné juste à la fin. Il a mis les roues dans l'eau. Si noyer l'avion n'était pas une boulette, alors il y a longtemps. Il y a un truc qui m'embête, on devrait être sur du plat. Et là, on n'est pas sur du plat. On est en train de décaler fort là. On lui remet un coup de 290, mais pas trop parce qu'après faut pas aller courir après la. C'est jamais bon d'aller courir après l'aiguille. On l'a remis au centre. Ah, il est peut-être dans cette vallée-là. Parce que quand on regarde la carte. Le truc, c'est sur du plat, quoi. Les montagnes sont à gauche. Pour le Concorde, c'était quand même une grosse flaque. Ouais, mais le Concorde. Attends, je me suis quasiment pas entraîné dessus. Tiens, 16h14. On va goûter? Non, on goûtera après, quand on le mettra en montée. Après, Palenque. Hey. C'est qui le pro? Alors l'astuce, je vous donne une astuce, il faut vous décaler sur la droite. Ah, il y en aura peut-être de trop. S'éloigner.
comme ça, et là, tu montes l'aiguille et tu dis, ah, on est quasiment dessus, mais elle est en train de partir, cette andouille. Elle se décale, ah, elle est pas gentille, elle n'est pas très joueuse. Bon, palenque à gauche, on a dit quoi? Palenque à gauche, la piste, le vor. Les montagnes. Le site, il sera sur le flanc de cette montagne-là, à 3 nautiques du terrain. Ça va aller super vite. Hein. On va d'ailleurs peut-être régler le banc à 20. Pour faire un virage rapide. On fera un virage rapide au 191. Ça va être très rapide. Hein. Il est 16. On est censé arriver dans 3 minutes. On va vérifier que... Ah, le vor est à gauche. Eh, c'est palanqué, là. Donc, on va se faire une verticale de la ville. Allô, Stone, on est désolé. On va réveiller quelques palanquénois. Capitaine mauvaise foi. Ouais, comme si... Eh. Alors la piste, elle doit être... Vous voyez quelque chose? Je me demande si elle est pas là. On voit un espèce de trait. Bon, ça, c'est palanqué. Normalement, on aurait dû passer ici. Ouais, la piste, elle est là. Ok, ça roule. Donc le vor, il est juste après. Hein. On a toutes les chances de ne pas le voir, hein, le site de Palenque. C'est cap 191. Donc déjà, on va prendre un top. Il est 17. 18 même. Et on prend le cap 191. Finalement, on le fait pas en manuel. Ah, 191. Il faudrait pas le faire dans une demi-heure. Bon, il est pénible ce truc. Allez, tac. Waouh. Alors si on regarde la ville, on va pas voir où aller la ville. On a la piste derrière. Le site, il doit être quelque part là. Ça passe les montagnes ? Je pense qu'on le verra pas. Mais bon, avec cette météo là, c'est autant chercher une aiguille dans une boîte de fin. Une boîte. Bon, on va peut-être le reprendre en manuel un peu. Hop, tu as remonté mon pépère. Je peux. Et puis on va se prendre le cap, notre cap prochain, ça va être cap 262. Alors oh, mais ça passe, hein, y a pas de souci. Hein.
200. Bon, 262. Niveau de vol 100, 105. C'est hyper long. Ouais. On va le remettre en montée d'abord. On a la bonne direction. On va lui mettre un peu de pêche. Hop. Il est un peu sensible, il part très très facilement sur la droite. Il faut se méfier, il y a du pavé quand même dans le coin. Allez, c'était combien qu'on voulait mettre? 262. Non, niveau 105. 10 500 pieds. Hop. Wow. Qu'est-ce qu'il va nous essayer de nous faire? Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Dans le cas de l'aiguille, il faut mettre le feu à la botte de foin. ils vont pas être contents. Hein. Salut Fenlon. Salut Fenlin. Darius Twitch, salut à toi. Oh, c'est pas bon ça. C'est un petit nuage ou c'est une couche? On est en VFR, on n'est pas censé rentrer dans les nuages. Ah, mais c'est juste un petit nuage au-dessus, c'est bon. Enfin, normalement, on n'aurait pas dû passer dedans, hein. Alors, au niveau température, on est ok, on va pas givrer. Ah, il stabilise forcément cette andouille. Il veut pas monter. Même si je lui mets 35 pouces. Oh, il s'est coincé cette andouille. Ah. Alors c'est un bombardier, mais il a jamais bombardé celui-là. Celui qu'on a pris, c'est un B-17 de l'IGN Fox Bravo Echo 2 fois Alpha. Bon, faut qu'on monte, hein. Mais pas à cette allure-là. On va les mettre à fond. Ah, il veut pas, il veut pas. Ah, ça y est, il est parti. Ouh, oui, il est parti, hein. Voilà, ça c'est de la petite. Non, 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 non. Monte, 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 monte. Donc, salut Yuni. Donc, on va rejoindre le niveau 105, 10 500 pieds, puisqu'on doit arriver à Oaxaca, au Mexique, et c'est assez haut. J'espère que ça va passer là. Il y a de la montagne. Hein. Bon, on a une météo un peu crapoteuse. On n'a pas une visibilité terrible, terrible. Il n'y a pas de nuages.
C'est déjà ça, à part ceux qu'on a. Le seul qu'il y avait, on l'a traversé tout à l'heure. Non, mais ça passe là. Non, mais ça passe. Peut-être quand même mettre un peu de pêche. Au pire, on repasse en. On va repasser en manuel, hein. Manuel. Et on passe légèrement à gauche. Dans le petit trou là, ça le fait. Hop. Attention au décrochage, c'est bon, les 200 mph, c'est bon, il décroche pas en dessous de 100, 110 mph. Je pourrais même tirer un peu plus, hein. Je suis à 2000 pieds minute, mais je pourrais tirer un peu plus, hein. J'ai de la marge. On va tirer un peu plus peut-être. On va repartir légèrement à droite. Ah, il y a un petit trou à droite là. Mais ça passe largeau ça. Par contre, on fait gaffe à la vitesse, on est en train de descendre à 160, 150 mph. Ouais, ça passe. Vous l'avez dit que ça passait. Allez. Voilà, c'était le plus dur. On va se remettre en vitesse 35 mph. Voilà, on a récupéré notre cap. On se remet en montée. Parce qu'on est à combien là? 7000 pieds. On veut monter encore un peu plus. Allez. Oula. Quand même des petits nuages, hein. Salut Miko. Bien le bonjour Z, j'arrive, j'entends montagne, météo crapoteuse, mais oui, je suis bien sur live détente. Ouais, tout à fait. Alors jusqu'alors ça allait, on avait juste un peu une visibilité de brun, et puis une couche de nuages au-dessus. Les nuages ont disparu, mais on a toujours la visibilité de brun. Normalement, ça devrait se... Ah non, ça devrait pas se dégager sur Warcraca. Bon, on fera avec. Bon, par contre, on va se préparer. Bon, alors on a le temps, hein. On va se préparer le vore de Oscar Alpha X-Ray, c'est 112. On a le temps parce qu'on est loin, hein. Hop. Ouais, d'ailleurs, pendant qu'on y est. Donc, 81 minutes. Donc, ça fait 15 heures et. Heure estimée d'arrivée. 15h38, 15h39. Zulu, donc 17h39 dans 1h10. Pourquoi il bouge comme ça? Il nous a déjà fait des mouvements comme ça, mais là comme ça. Ah, c'est parce qu'on est trop bas en vitesse. Ah si, il l'a déjà fait ça. C'est quand on est ouais, trop faiblard, le pilote automatique, il n'arrive pas à se caler et du coup, il nous fait n'importe quoi. Bon, on va essayer de lui mettre un peu plus de pêche. On est à 8500 pieds. On va passer en standard. Bon, on est quasiment en standard, hein, 29,91. Hop, voilà. Salut Calypso. Salut Piu Piu.
Bonjour Galinetas. On est parti d'où? Aujourd'hui ou depuis le début? Depuis le début d'Amiens. Aujourd'hui, on est parti de Mundo Maya International. Un petit, c'est un petit bled du Guatemala. On se pose dans au moins chaque pays du monde. Et donc au Guatemala, c'était Flores, à l'aéroport Mundo Maya International. Et là, on se dirige vers Oaxaca, au Mexique. C'est pour ça qu'on a mis le drapeau mexicain. Est-ce que les hymnes y sont libres de droit? Ouais, mais ça fait trop patriotique. Déjà, le drapeau. Bon, le drapeau, c'est un petit clin d'œil à la série Big Bang Theory, pour ceux qui la connaissent, avec Sheldon Cooper qui fait une émission sur les drapeaux. Moi aussi, j'adore les drapeaux. Et donc, je me suis dit, tiens, puisqu'on fait un tour du monde, on va afficher tous les drapeaux du monde. C'est tous les drapeaux du monde. C'est dommage qu'il fasse pas beau, je suis sûr que ça aurait été très joli. Je pense qu'il va falloir qu'on allège. On est parti à la charge max, hein. C'est pour ça aussi qu'on a un peu de mal. On est parti à la charge max. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un point essence. Oh, c'est bon l'essence. Et salut Yucapouche, merci pour le suivi, bienvenue sur la chaîne. Ça donne un côté culturel aussi. Ouais. Fun with flag. C'est ça, Thomas. On voit que tu es un fan de cette série. C'est des séries de geeks, hein. Si t'es pas barbu, t'as pas le droit de la regarder. Si, vous avez regardé, il y a un avertissement. Si tu n'es pas barbu, tu sors de la pièce. On voit pas grand-chose. Ouais, parce qu'on a une météo de brun. C'est météo réel, hein. Donc on est au-dessus du Mexique et il fait une visibilité de brun au Mexique. Attention! L'avion est fou! Si je suis en VO8, je suis fixe. Ah non, il bouge. Tu n'as pas de barbe, mais c'est pas de ta faute. Faut que tu essayes des cataplasmes de brin de pigeon. Le soir, tu t'en mets, tu le gardes toute la nuit. Le matin, tu l'enlèves parce que sinon, quand tu vas voir les gens, ça fait bizarre. Surtout si tu claques des bises. Mais bon, avec le confinement, on ne doit plus claquer de bises. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, tu auras une barbe bien fournie. Non, j'ai pas regardé. Je me suis dit que ça allait être de la daube. Comment je parle? Oh, comment ça. Comment on dit? Ça trash talk? Comment ça trash talk? Ça sent les conseils de Merlin dans Kaamelott. Bah, Pierre, je te permets pas. Quoique. Il loupe pas tout ce qu'il fait, hein. Bon, goûter? Vous voulez être malade un peu? Oula, et il y a des sacrées petites collinettes, hein. On va prendre la banane. Et merci Ericos, salut à toi, merci pour le suivi. Ah mais moi si j'ai envie de dire trash talk, que je dis trash talk, hein, Mister Biz. Mister Bix. Ich speak English very fluent. I can give lesson for you if you want. C'est quoi qu'il faut se mettre sur la barbe, dit Eureka. Ouais, le brun, c'est un terme picard.
Comment on appelle ça? Scientifiquement, du guano? Des excréments, quoi. C'est une recette de grand-mère, ça. Vous savez, les recettes de grand-mère, ah, t'as une tache, il faut mettre du sel, t'as la barbe qui pousse pas vite. Tu te mets du caca de pigeon. Tu te fais des cataplasmes de caca de pigeon et puis ça marche. Tous les anciens, ils l'ont fait, puis ils avaient des belles barbes, hein. Fermenté ou pas, hein, Pierre. Il paraît que fraîche, ça marche aussi. Je pense que le tuto pour la barbe va finir sur YouTube. Oh non. Ah, on s'est stabilisé. On est stable à 10 500 pieds, du coup, hop, il est monté en vitesse. On va lui remettre à 30 pouces. Enfin, on va vérifier. Oh, changement de météo. Ah, chouette, ça s'éclaircit. Vive la météo dans X-Plane. J'adore ça. Par contre, il y a des petits nuages qui me plaisent moyennement. Il y a des petits nuages qui nous plaisent moyennement. On va tout de suite vérifier quand même là. Les perfs. À 10 000 pieds, c'est 2100 pour 30 ennemis. Bah, 30 ennemis, on les a. Par contre, il faut mettre 2100. Voilà. Ah, c'est sympa, ouais. Donc, le plateau du Mexique. Ce qu'on aurait dû dire au gars qui est passé tout à l'heure pour demander quel était l'avantage d'un simulateur de vol par rapport à un simulateur de tracteur. On a oublié de lui dire que quand la météo était bien, c'était les paysages. Merci Chris FLS pour ton suivi. Merci, bienvenue sur la chaîne. Alors, les vols X-Plane, les lives X-Plane, c'est tous les vendredis à 15 h. C'est les petits lives détente. Je suis spécialisé, je fais plutôt du Minecraft. Et pour me détendre, je fais de la simulation de vol. On aurait pu faire l'inverse. Ah, tu fais de la simulation de vol et pour te détendre, tu fais du Minecraft. Bah non, c'est venu comme ça, quoi. On voit mieux les sillons. Par contre, bon, il faudrait être sûr de rester en vue du sol, quoi. Allez. La bête. Wow. Salut Charnay. Ouais. Alors les 10 500 pieds, ils sont quasiment obligés, hein, parce que sur la fin par ici, il y a quand même du 8 700 pieds. Alors on va regarder où c'est. Hop, hop, hop. Ah ben ça va être là. Ouais, c'est dans ce coin-là. Normalement, la météo est bonne. Normalement. Alors, on va peut-être faire un peu de on-top. C'est-à-dire qu'il va falloir remonter peut-être d'un cran. Donc, comme on est au niveau 105, si on veut monter au cran supérieur, il faut rajouter 2000. Puisque nous, ceux qui vont vers l'ouest, ils volent en niveau pair. Donc niveau 100, niveau 120, niveau 140, niveau 160. Sachant que les VFR, ils sont souvent coincés à des niveaux 120, 120, ça doit être quasiment le maxi. Je me souviens plus de la législation, mais c'est dans ces eaux-là.
Donc pour transformer les niveaux en pieds, il faut multiplier par 100, hein. Niveau 120, ça fait 12 000 pieds. Niveau 100, ça fait 10 000 pieds. On est en 120 ou en 100 si on est IFR. Si on est VFR, on rajoute 500 pour éviter que les... pour séparer les VFR des IFR. Donc les vols à vue des vols aux instruments. Et ceux qui volent dans l'autre sens, ils sont au niveau impair. Comme ça, tout est bien réglé. Les VFR et les IFR sont séparés. Ceux qui vont vers l'est et ceux qui vont vers l'ouest sont séparés. Tout est bien. Qui va bien? Alors ça dépend des endroits, hein, Pierre. J'avais regardé un peu et c'était pas aussi simple en fait. C'est pas une règle absolue. Ce qu'il y a, c'est qu'au-dessus, de toute façon, faut être équipé. C'est quasiment impossible parce qu'il faut avoir un avion pressurisé ou être équipé de bonbonnes d'oxygène. Parce que sinon, il y a l'hypoxie, le manque d'oxygène, qui rend fou. Enfin, ça rend pas fou. Tu peux avoir des hallucinations. Tu as un état où tu es euphorique et où tu te penses le roi du monde. Tout est possible. Alors j'avais vu un documentaire sur un gars qui s'entraînait pour monter. Il voulait faire l'Everest sans bouteille. C'était l'Everest ou... Ah, je sais plus, mais il voulait monter très 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 haut sans bouteille. Et le gars, à un moment, il a une espèce de crise et il est filmé. Et c'est pas joli à voir. Hein. L'hypoxie, c'est pas beau. Donc pour commencer à voir ça, les VFR, souvent, c'est des pilotes privés. Et c'est des équipements qui commencent à... Il n'y a personne qui se paye ça, quoi. Alors, on va recaler le gyro. Est-ce qu'on a bien réglé 112? Ouais, c'est bien au axe. D'ailleurs, vous savez tous ce que ça veut dire, wax, en anglais. Bah ouais, vous le savez. Tout le monde dit, ah, c'est un wax. Ouais, j'ai reçu une lettre, il y a une petite fille, elle est en train de mourir, il faut lui envoyer du sang. Ouais, mais c'est un wax. Eh ben, wax, c'est en fait le vore de Oaxaca. Bah, c'est les premières lettres en fait, hein. Oscar Alpha X-Ray, c'est plus facile à prononcer. Donc 112. C'était l'Everest Calypso. Ah, ok. On a dû voir le même alors. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de documentaires de ce style en fait, hein. Hop. Ouais, c'est ça, 195 avec restriction. Ouais. Et ça dépend des endroits, ça dépend. Et puis si il faut être équipé. Ben là, on est haut, on va atterrir à 5 000 pieds. Donc on va à une altitude de 1,5 km, quoi. Oh, il y a des coins jolis là. Oh, il y a une rivière. Et au milieu coule une rivière. Bon, ça c'est un bon point de repère pour savoir où on est. On regarde la carte. Ouais, on regarde la carte. Alors, je crois que j'ai trouvé. C'est Malpacito. Ah, elle a une forme bien caractéristique là. Hop, hop, avec une tête de dragon. Ouais, c'est ça, la tête de dragon là-bas. Eh ben, le petit patelin qu'il y a là, c'est Malpacito. Bon, ben, on n'est plus perdu. Ah, par contre, on passe peut-être un peu loin à gauche. On aurait dû passer vertical. On aurait dû passer vertical, on est un peu loin à gauche. On va avoir un gros lac sur notre gauche. Donc, on se retourne. Pop, 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 pop. Ah ouais. Ah ouais, avec le barrage. Waouh, ouais. Ouh, c'est quoi? SRRH. C'est quoi ce truc? Je pense que c'est Rodales Malpasso. Vu tous les fils, je pense que c'est là ça doit être la centrale électrique doit être là.
Bon, bah, c'est pas un lac naturel. Oh. Oh. Fait un petit bain de mousse. Salut Antalior. Pierre dit c'est l'immatriculation de la piste. Ben non, on est au Mexique, ça ce serait Mike deux fois. Là, on va atterrir à Mike deux fois Oscar X-Ray. Mbox. Donc c'était pas ça, parce que c'était S quelque chose. Bon, la mouche barre-toi. J'ai des mouches sur mon cockpit. Ça va être rigolo là, le l'avion dans les nuages. Ouais, toujours pas dans les nuages, hein, puisqu'on voit le bleu. Donc c'est valide. On est un peu on top. VFR on top. J'espère qu'on va pouvoir avoir un trou pour descendre. Sinon, on est un peu mal. Ouais, il y a des trous là-bas. C'est dommage pour le paysage du coup. Parce que là, je me rajoute, j'essaye de trouver des musiques libres du Mexique. Mais Rick, oh, disons, petit lac, hein. Alors, on va quand même regarder un peu l'essence. On va savoir, on a mangé la moitié de ce qu'on avait consommé, c'est bon. Bon, un vrai petit live détente, quoi. Ouais, la gestion du décor, c'est vraiment le point faible de FlyGear. Le gros, gros, gros point de faible. C'est dommage. Après la météo, la version que j'avais testée. Faudrait que je reteste la dernière version. Quand on sera. Ce qu'on pourrait se faire éventuellement quand on sera à Hollywood, à Los Angeles, se faire un live. On se fait peut-être un petit live comparatif. On se fait un petit vol en Cessna. L'aller, on le fait avec X-Plane. Le retour, on le fait avec FlyGear. Même météo. Bon, même avion, on se prend le Cessna ou un truc comme ça, quoi. Hein. Vraiment un petit vol. La météo vient de changer. Et c'est pas tip-top. Hein. C'est pas tip-top et on est en train de s'enfoncer dedans, là. On va passer à 12 500 pieds. Normalement, il est débranché. Donc, si j'accélère,
Il devrait se mettre en montée. Allez, je le mets à fond. Ah, quoique. Non, non, c'est bon. Non, on voit le sol. Ouais, c'est bon, on est, c'est passé au-dessus de nous, en fait. C'était combien? 30 pouces et demi. On est reparti dans le crapouilleux, c'est-à-dire on a une visibilité de brun. Mais on voit le sol, hein, il est là. Si, si, on est bien en VFR. Ça va encore finir en VFR super spécial, tout ça. Hein. Mais normalement, non, c'était 6 nautiques. Donc 6 nautiques, c'est bon, c'est 1500 mètres le minima. Les minima. Je crois bien. Hein. Pierre, il va nous confirmer ça. J'adore ce temps d'Imic. Hein. Moi, moyen. Hein. Salut Jap Mori. J'ai des alertes collision? Non, parce que c'est un vieux coucou, il n'y a pas de radar relief. Donc j'ai pas d'alerte collision. Normalement, je suis à l'altitude où je vole, je suis au-dessus des montagnes. Je suis à 10 500 pieds, 10 600 même. Et par rapport aux montagnes qu'il y a dans le coin, je suis à l'altitude de sécurité. La MSA est même à 10 000 pieds. Mais comme je suis en niveau de vol VFR, je vole au niveau 105. Donc normalement c'est bon. Je dois rien me taper devant. Le problème après c'est de trouver le terrain. Mais bon, c'est pas un problème puisqu'il y a un VOR à Oaxaca. On va atterrir à Xochocotlán. Xochocotlán. Je crois que ça se prononce. Les X se prononcent X. Le VOR est ici. Donc on va se diriger sur le VOR. Tranquillou. Et puis une fois là, on se fera une arrivée classique VFR. Hein, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. J'ai fait un petit YouTube sur comment décoller et atterrir. Ah, puis j'ai fait sur le trajet, je crois que je l'explique mieux. Je referai peut-être une vidéo tuto complet arriver sur un aérodrome. Tu arrives, si tu arrives du sud, si tu arrives du nord, si tu arrives de l'est, si tu arrives de l'ouest, comment tu dois faire, et tout, et tout, et tout. Alors, Galinetas me demande si je jouerai à Microsoft Flight Simulator. Je suppose que tu parles du 2020. Parce que les Flight Simulator, j'ai joué avec le 1. Bah ouais. Le 2, le 3, le 4, le 5. Non. Le 2, j'ai rejoué après avec le... J'ai repris après avec le... Un petit peu le 4, mais surtout le 5. Le 6, le 7... Après, ils ont eu des numéros, il y a eu 98. Je me demande d'ailleurs si le 7 c'était pas 98. Puis j'ai arrêté. Alors, 2020, maintenant je suis sous Linux. FS 2020 ne tournera pas sur Linux. Pour que je repasse une machine sous Linux, il faudrait, je dis pas que je le ferai pas, mais il faudrait que FS 2020 soit exceptionnel. Et là tu vas me dire, mais regarde les vidéos, c'est exceptionnel. Ouais, ouais, jusqu'alors c'est que des démos, c'est des films. Et puis il faut voir à quel prix ça va être tout ça, etc, etc, etc. Donc je ne sais pas. Ce que j'espère, moi, c'est que ça donne un petit coup de boost. Par exemple, le X-Plane, quand il a vu le P3D, P3D c'est quand même spécialisé IFR, gros avion, il s'est dit, oh, le X-Plane c'est aussi un peu le modèle de vol avant le visuel. J'espère que ça va leur donner un petit coup de pied en disant, il faudrait qu'on se bouge aussi un petit peu sur la météo, sur le visuel et tout ça. Et donc ça pourrait devenir intéressant.
Juan, le problème c'est que sous Win, alors Steam ou pas Steam, hein, tu peux installer Win sans Steam. Hein. Le problème c'est que tu vas perdre en performance. Et j'ai bien peur que le truc, ça soit un monstre de. Est-ce que j'ai déjà joué à Farming Simulator? Gigi le geek. C'est une question sérieuse? Parce que t'as pas mis le point d'interrogation, alors je me demande, hein. Ouais, si tu t'écrases, c'est comme dans Minecraft. Quand tu meurs dans Minecraft, tu reviens dans le dernier lit que t'as. Tu reviens dans le dernier lit que t'avais posé. Et ben là, c'est pareil. Tu reviens. Enfin. En fait, tu peux choisir dans quel lit tu peux recommencer. Tu choisis l'aérodrome où tu recommences, mais tu recommences. Et t'as perdu ton stuff là. DCS réalise les deux. Les deux quoi? Ouais, c'est militaire, DCS. Ah, la bonne météo et le bon visuel. Ouais, mais c'est militaire. Et moi, c'est mon côté antimilitariste. Alors, mon côté antimilitariste, tu dis, ah, tu voles en B-17. Oui, mais je ne vole pas dans un bombardier. Je vole dans un avion de l'IGN. J'ai d'ailleurs repris l'immatriculation Fox Bravo Echo Alpha. C'est un avion de l'IGN, l'Institut Géographique National, qui était basé à Creil et qui a servi depuis des années 1900, ben après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années assez tard. Ils ont été utilisés pour prendre des photos pour faire les cartes routières. Enfin, les cartes routières, les cartes topographiques, toutes les cartes de l'IGN en fait. On a chopé le PDI au passage, hein. On a chopé le VOR. Bon. Il est légèrement un chouï à gauche, on va vérifier. Ouais, il nous pousse légèrement sur la droite à 10 nœuds. On va rester comme ça. C'est un avion qui n'a pas fait la guerre, hein. C'était les stocks. Ils avaient des stocks, les Américains. Et donc comme la guerre était finie, ils les ont revendus. Enfin, ouais, c'était à vendre. Et c'était à vendre pas cher. Et donc l'IGN en a acheté plein. Je n'aime pas Windows. Si tu roules en Renault, est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas Peugeot? C'est aussi peut-être parce que tu préfères Renault. Je cite deux marques, hein, exprès. C'est pour faire une image. Donc je préfère Linux. Je connais pas du tout DCS, hein, d'ailleurs, au passage. Je crois que j'ai vu des vidéos, mais. Enfin, j'avais regardé une vidéo d'un gars, mais comme c'était du combat aérien, et c'est franchement pas mon truc. Bon, nous, on est dans le crapouilleux, hein. Ça craint un peu. L'arrivée va être épique. Épique, épique et collégramme. J'ai un vieux Windows, hein, pour des raisons professionnelles. Ça fait un moment que je l'ai pas lancé d'ailleurs. Il marche peut-être plus. On se reprend un petit thé? Skynix nous demande dans combien de temps j'arrive. C'est une bonne question. On a un estimé à 39. 15h39 Zoulou. Donc ça fait 17h39 dans 39 minutes. On va essayer de se choper des points de repère. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? On est dans une espèce de plaine. Alors que normalement on devrait être censé. On est arrivé sur le plateau alors.
Ah, on est peut-être dans ce coin-là, là. Qu'est-ce qu'il y a comme point caractéristique ici? La rivière, là. Ça va pas être évident, hein. Ah, une série de... Les lignes à haute tension, c'est un très bon... En avion, ce qu'on repère facilement, c'est les rivières, les lignes de chemin de fer et les lignes à haute tension. Les routes, c'est une vraie galère. Et même les autoroutes, c'est dangereux parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une autoroute qu'une autre autoroute. Si on est dans un coin où il n'y a qu'une seule autoroute, c'est nickel. Mais si on est par exemple dans le nord de la France où il y a des doubles voies partout, pop, 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 pop. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Ah, une rivière. Rivière à gauche. Le problème, c'est que les lignes à haute tension, on va pas les voir d'ici. Par contre, on a une belle rivière là qui serpente. Zzz, 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 zzz. Puis après, elle va où? Il y a un petit lac. Alors, est-ce qu'on peut la trouver, cette rivière qui serpente? Bon, c'est pas évident, hein, des rivières qui serpentent, il y en a dans tous les sens. Il y en a là. Mais il y a aussi celle-là. On va essayer de regarder si c'est la même. Parce qu'elle s'arrête brusquement. Ah non, elle s'arrête pas, c'est un changement de texture. Ah, brin. Par contre, il y a un confluent là. Ah ouais, mais... Un confluent dans une courbe. Donc c'est pas celle-là parce que là c'est un confluent dans un bras droit. Oh vache. C'est pas là non plus. Je crois qu'on est perdu. Hein. Déjà, est-ce qu'on est sur notre route? On est toujours légèrement décalé. La balise est à gauche. Alors, il y a des questions. Mon Linux, ouais, c'est un Ubuntu. Et c'est une vieille Ubuntu, il faudra que je change. Merci Sim19, merci pour le suivi. Auguste, bonjour. On dit toujours bonjour quand on débarque quelque part, les gars. Un petit peu de politesse, ça fait pas de mal, hein. Est-ce que j'ai déjà été pilote? Est-ce que j'ai déjà piloté un avion dans la vraie vie? Réponse, oui. Et c'est une passion. Et Gigi remet ça, est-ce que tu as déjà joué à Farming Simulator? Bah non. Farming Simulator, c'est un jeu Windows. Et tu veux dire, ah ouais, mais t'aurais pu le faire tourner sous Win. Non, j'ai jamais joué à Farming Simulator. J'ai déjà regardé un stream, par curiosité. Où le gars retournait un champ. Je dis, c'est vachement réaliste, mais du coup. C'est comme un métier, quoi. Tu vas retourner le champ, tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça. Et je me suis dit, ouh, il faut vraiment être passionné par le. Faut être quand même passionné par le monde agricole, quoi, pour accrocher. Mais je juge pas, on peut être complètement. Alors, moi, c'est moins mon truc, quoi. Surtout si en plus, faut en même temps apprendre certaines choses, parce que si c'est un simulateur réaliste. Il y a des tonnes de jeux qui tonnes de jeux Windows qui tournent sous. Il y en a qui tournent, il y en a qui tournent pas. J'avais essayé Star Citizen, mais mon Linux est trop vieux, il faudrait que j'en ai un plus moderne. Oui, Eurotruck Simulator, la conduite de camion, ce serait déjà un petit peu plus mon truc. On est en train de revenir, hein. L'aiguille, elle est en train de rentrer.
Et on a quitté la. On revient dans les montagnes. Donc je pense qu'on devait être. On devait être dans ces eaux-là quand même, hein. Du coup, probablement. Alors on avait le truc à gauche, on devait être un peu plus en haut. Peut-être dans ces choses-là. Et J1 vient de donner 10 bits. J'aime quand on ne voit rien niveau météo, mon Pierrot, car c'est prometteur pour l'atterrissage. Pourquoi tu passes pas chez Windows? Mr. Fra PMGT. Parce que je suis très bien sous Linux. Pour l'instant. Salut Oliver Dark. Comme j'ai dit tout à l'heure, le seul truc qui pourrait éventuellement me faire réinstaller un Windows moderne, un Windows 10, mais qui serait bien entendu forcément en démarrage multiple, en dual boot, parce que je ne vais pas jeter Linux, j'ai tous mes outils sous Linux. Ça serait Flight Simulator 2020, mais il faudrait qu'il soit exceptionnel, pas cher, qui tourne sur ma machine, que je puisse télécharger les scènes et le monde avec ma connexion internet. Hein, donc, c'est pas forcément évident. Hein. Alors, Pierre, J1 a un petit côté taquin ou sadique. Qu'en pense Margot? Je crois que Margot, elle est taquine et sadique aussi. Hein. Mika, merci Mika pour tes 10 bits. Exact, j'ai hâte de voir. Ou pas voir. On va faire une micro-pause technique, puisque voilà. Petit à petit, on est en train de revenir, et voilà la marque de fabrique du professionnel, quoi, qu'on va recaler le giro. Ah ouais, il repart du coup. Ah, le vilain. Allez, micro-pause technique, je reviens dans 30 secondes. Je vous laisse le paysage. Oh, on va le mettre comme ça plutôt. Avec les montagnes par ici, ça va être pas mal. Ah, j'ai pas fermé la porte. Il y a mon petit chien qui est juste dans la porte. Tout à l'heure, il y a deux avions de chasse qui sont passés. Ma chienne, elle aime pas deux choses, les orages et les avions de chasse. Donc il y a nos impôts qui sont passés au-dessus de la maison. Et ben voilà, ça y est, ça l'a perturbée, la pauvre. Elle aime pas du tout, du tout, du tout ça. Et depuis, elle est calée dans la porte et elle ne veut pas partir. Oh! Est-ce qu'on aurait une meilleure météo d'un coup là? Oh, voilà! Bah. Pop, 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 pop. Pop, 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 pam, pam, pam. Donc la plaine, la montagne, le plateau. Pourquoi il s'est mis à tanguer comme ça? C'est le changement de météo, ça, à tous les coups. Au niveau paramètres, je suis bon, 2100, 30 pouces et demi, je suis même un peu fort.
La vitesse, ouais. Oui, je pense qu'ils entendent ils entendent des sons que bah, les avions de chasse quand ils passent en radada, ça fait un bruit très aigu, hein, très, ça déchire l'air là. Ils passent en plus à la limite de la vitesse du son, donc ils passent très vite. Même pour nous, c'est pas agréable. Je pense que pour eux, ça doit leur faire la tête, comme un citron, quoi. Et alors les orages, pareil. Le craquement des orages. J'ai un lac pas loin, bah dans des vallées un petit peu montagneuses, hein, tout à fait ces montagnes-là, mais. Et ils s'amusent, enfin ils s'entraînent, c'est leur métier. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est leur métier. Ils font les S du lac, c'est un lac avec un barrage. Donc ça fait des S dans tous les sens. Et ils s'amusent à passer dans les vallées à toute berzingue. Non, dans l'avion, je n'entends pas. En fait, le son, c'est le cône. C'est l'onde de choc, elle est conique. Et donc on l'entend quand on passe, quand le cône nous franchit, quand la surface du cône, on passe à travers. Donc le pilote ne l'entend pas puisqu'il est juste derrière le début du cône. Et donc il n'y a qu'au sol, en fait il n'y a qu'au sol que tu l'entends, ou si tu viens le croiser peut-être en avion. Mais au sol tu l'entends parce que le cône, eh ben, il suit l'avion au sol et blanc blanc. Si je me souviens bien de mes cours de physique. Parce que depuis un moment, ils ont plus le droit de passer le mur du son. Quand j'étais gamin, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'habitais à côté de la base de Creil, puisque j'allais voir les B-17 qui étaient basés là-bas. Et donc à l'époque, c'était même pas les Mirages, ça devait être les SMB2. Et il passait le mur du son régulièrement. On entendait bang bang. Et t'avais les vitres qui faisaient. Ça cassait pas toujours. Hein. Et puis après, ça a été interdit. Parce que des fois, ça cassait quand même. Hein. Bon, il va se stabiliser cet avion-là. C'est très bien montré dans l'étoffe des zéros. Dans l'étoffe des zéros, c'est le mec, c'est le premier qui le franchit, là, Chuck Yeager. Et où l'avion, il manque de se désintégrer, en fait. C'était des fêlés, les gars. Les pilotes d'essai, là. Les mecs, ils avaient des neurones déconnectés pour la peur ou autre. Tu leur disais de faire ça, ils faisaient ça, n'importe quoi. T'as une chance sur deux de mourir. Ouais, c'est pas grave, je le fais. Ah, une imote avion. Ah ouais, je pourrais faire une imote avion, ouais. Ouais, pas bête, Gigi le Geek. Faudrait que j'y pense. Merci Flight Moi, merci pour le suivi. Bon, j'aimerais bien qu'il se stabilise le truc. On est 15. 17h15, on était censé arriver à 39. Et j'aimerais bien qu'il se stabilise le truc. Alors, normalement, on devrait arriver dans une vallée. En fait, alors la vallée est peut-être pas si grande que ça, hein. C'était une chance sur deux de rester en vie. Ouais, Pierre, c'est vrai, ça c'est les stats. Hein. T'as une chance sur deux de mourir, c'est que t'as une chance sur deux de rester en vie, ouais. Et mais J1, je te fais des propositions pour les modes avion. Ouais, merci.
Alors Auguste demande si je bossais, si je bosse ou je bossais dans le domaine de l'aéronautique. Non. Non, non. J'étais dans l'informatique. Et bon après-midi Thomas. J'étais dans l'informatique. Enfin, je le suis toujours, mais je suis plus ou moins en année sabbatique qui commence à durer. Je vais enlever la carte. Bon, après, on voit rien. Il arrête pas de bouger le truc. Il est pénible, hein. Un de ces quatre, on devrait trouver la vallée. Donc ça va s'aplanir. D'ailleurs, je me demande si. Non, c'est pas. Plus ça va et moins c'est vert, non? Après, ça dépend quand les photos satellites ont été prises, hein. C'est de la photo satellite. Donc là, on triche un peu. S'il y a Oaxacan juste devant, on va le voir, hein. Ah, ben, on n'a rien vu. Oh, on le voit d'ici. On arrive, on arrive, on arrive. Alors merci pour les suivis, salut à Kara, salut Cricri. Salut Force. Bien vu le passage pour faire la pub. Bien tenté. T'es quand même à la limite de te faire supprimer ton message, hein. Quand même pas trop charrier, hein. Année sympathique. Ouais. Ah, si tu live, tu t'apercevras que les gars qui passent sur ton live pour dire tenez, bah, arrêtez de regarder celui-là, venez me voir plutôt l'autre. Ça va moyennement te plaire, hein. Je pense. C'est un peu comme si tu rentres dans une boulangerie pour dire aux gens Oh non, je vais plutôt aller acheter le pain à côté. Ouais, il veut pas se stabiliser l'avion. Je pense qu'on va le reprendre en. Alors, on va regarder un peu la carte. Et puis après on le prendra en manuel parce que le pilote automatique il est dans les choux. On ne sait pas ce qui lui arrive. Alors, on fait une arrivée. Donc le Vore est ici. Nous on se dirige vers le Vore, hein. On va regarder la météo pour savoir quelle est la piste en service. Donc MOX, météo, vent du 0,98 à 6 nœuds. Oh, ça c'est du vent de travers. Donc maintenant, Little Navmap 2.4.5. Il donne la piste en service. Meilleure piste pour le vent 01, avec un vent traversier de 6 nœuds. Donc c'est la 01 en service. Donc on va arriver sur le Vore. Donc il faudrait. On va être trop près pour en faire une intégration directe. Donc on va arriver sur le Vore, on va virer ici. Et on va aller s'intégrer vent arrière 01. Donc on va faire un grand virage à droite. Toc 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 toc. On va se mettre en descente. Et pour s'intégrer ici. Donc la piste elle est à 4987 pieds. Donc il faudrait qu'on descende un petit peu. On va se mettre en descente. Donc mettons qu'elle est à 5000. Il faudrait qu'on soit à 6000 pieds. Donc il faudrait qu'on soit vertical vent à 6500 pieds. Du coup on aurait dû descendre depuis un moment je pense. On a un peu loupé, mais bon, il y avait des montagnes, hein, ce n'est pas de notre faute. Hein. Hop, hop, hop. Bon, ben on fait comme ça. Donc, on se pointe sur le Vore. On va se dessiner tout le parcours. Hop, hop. Vent arrière, c'est WP4. Et puis, ben, après, on vient ici. Et puis, final. Voilà. Voilà ce qu'on va se faire. Alors le Vore est légèrement à droite. Le gros du patelin. Ah ouais, y a une le gros du patelin est complètement à droite. Ok, dac.
On va essayer en même temps de repérer où est l'avion, quoi. Allez. Allez, on coupe un peu les gaz pour le faire descendre. On va se rediriger vers le Vore. Ouais, alors il y a des trucs où il faut faire attention, hein. Il y a encore de la montagne là. Pourquoi j'ai le mal de mer? Alors, on va se mettre quand même en configuration. On ouvre les capots. On met les pompes. Hop. Alors, le Vore est devant. Hop. On est à combien? 10 000 pieds. On va repasser en QNH. Et donc, on se fait de la verticale. Donc, la météo, le QNH est à 1012, 29,87. 10 000 pieds, on descend pas assez, hein. Neuf 87, ça fait à peu près ça. Hop. Je pense qu'on va être bon pour faire un petit circuit. 101 personnes sont prêtes à se sacrifier. Donc Oaxaca, au Mexique, ils ont occupé tout le plateau, les gars. Il y avait un plateau. Alors, par contre, je repère pas du tout où est le gros de la ville devait être à gauche, à droite, hein, si on regarde la carte. Mais j'ai l'impression qu'il y en a autant à gauche qu'à droite là. Partout où on regarde. Quoique là, c'est des champs, hein. C'est pas de la ville. Ah ouais, c'est des champs. Bon, le Vore est juste devant. On est en descente. On est déjà à 9 000 pieds. On a dit 6 500 pieds pour le Vore. Et intégration vent arrière, 6 000 pieds. La piste est à 5 000. J'espère que. Vous savez ce que je suis en train de me dire là? La piste, elle est derrière ça. Parce qu'on arrive ici, et là, il y a une petite crête. Donc, faut faire attention à pas descendre trop bas. Sinon, bah, on sera obligé de remonter. Salut, Nessakora. Alors. J'ai pas vu la question de Tibouchou. Ah, il y a un raid. Je suis en plein arrivé, alors excuse-moi Nessa. J'ai pas vu ton raid. Merci à toi. Je suis dans la phase. on va dire délicate. On est en train d'arriver au Mexique. À Oaxaca. Oaxaca. Et c'est un petit peu chaud. Prépare ton parachute. Après, le parachute, quand on est trop bas, il sert à rien. Alors, le Vore, il est un chouï à droite. Mais c'est pas grave parce que vous avez vu le circuit qu'on va faire. On va tourner comme ça. Hein. Hop, 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 hop. Et merci Mika pour l'abonnement que tu as offert à Isandrel. Un gros bisou, Mika. Alors. Bah surtout, on va passer dans le trou là. On est à combien? 7 000 pieds. Alors, on va remettre 2 400 tours, voire 2 500 tours. Voilà, ça va ralentir l'avion. Et on va se stabiliser à 6 500 pieds là, juste dans la trouée. Juste quand on aura passé la trouée, on tournera à droite pour reprendre le Vore.
Hop, on continue de le laisser descendre un petit peu. Et je pense qu'on va voir le terrain juste derrière. Donc le VOR est à droite, hein, on le voit ici avec la petite aiguille. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, le terrain doit être là. Ah, astuce, hein, dans X-Plane, quand on voit des bâtiments arriver, souvent c'est les bâtiments de l'aérodrome. Comment il triche, le gars? Et là, vous vous dites, non, mais il trichait. Alors, 6500 pieds, on stabilise. On remet un petit peu de pêche. Faut que tu arrêtes de descendre, Bob. Faut pas que tu montes de trop. Ah ouais, elle est là, la piste. Bon, visuel. Normalement, c'est une piste assez longue. On est avancé sur l'horaire? Exact, 39, il est 27, ouais, on s'est pris 12 minutes. Et on avait du vent qui poussait. Hein. On avait un vent dans le. On avait un vent sur l'arrière. Donc on doit croiser les axes. Voilà. Donc on tourne ici à droite. On fait un grand virage comme ça et on revient ici puisqu'on doit atterrir dans ce sens-là. On revient ici, on doit être à 6000 pieds là-bas en vent arrière. Hein, là, normalement, on doit avoir la 01. Ouais. Je suis monté un peu haut en plus. Alors on vire. On vire et on descend. C'est bon, on est en descente. Le petit vario là. Ouais. Il suffit de le dire hein, pour qu'il arrête de descendre ce cochon là. Donc la piste est là. Alors par contre, vent arrière de l'autre côté, il va falloir faire gaffe à la montagne quand même, hein. Ah, il est en train de remonter. Combien j'ai dit? 6000? 6000 pieds? Salut Edgy. On approche du moment de vérité. Ah, on n'a jamais été aussi près. Hein. Mais bon, on a de la chance, on a une bonne météo. Alors le terrain est là. Allez, on continue de tourner. Il faut qu'on aille de l'autre côté maintenant. Ah, faut qu'on repasse de l'autre côté pour être en vent arrière. Étape de base, finale. Et en début de vent arrière, ça serait bien qu'on soit à 6000 pieds. Donc ça veut dire, il faudrait dire, il faut descendre. La piste est là. Hein. Vous êtes sûr qu'on va pas se crasher? On dit pas cracher, on dit écraser. On a un beau verbe en français, hein, autant l'employer. Boudiou. Alors là, c'est moyennement bon parce qu'en fait, on est en train de croiser les axes. J'aurais dû tourner plus court. Dans la vraie vie, je pense qu'on se fera appeler Arthur. Hein. Mais bon, on a un B17, les autres, ils ont des petits coucous, ils dégagent. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bon, on est à 7000 pieds, on est 2000 pieds au-dessus du terrain. C'est pas forcément que ça soit gênant. Non, on était à.
6700 pieds en fait, pas 7000 pieds. Allez, on descend, on descend, on descend, on descend. Alors le QFU c'est 0,14. Ouais, on va dire que c'est bon. Ça me donne un petit, ça me donne le sens de la piste en fait. L'avant arrière, ça sera quand je serai dans le sens contraire de l'atterrissage. Donc, on arrive à, il est où l'altimètre? Ah, ça a toujours 6600 pieds, mais il veut pas descendre ce bétail là. Tant pis, hein, on va préparer la machine. La piste, elle est là. On faut pas. Faut pas trop s'en approcher parce que comme on fait des grands virages, hop, allez, on va se mettre comme ça, on va préparer la machine, donc on ralentit la machine pour l'amener à 150 mph. Donc il perd sa vitesse, on le maintient en palier en fait, et comme il a plus de gaz, bah, il perd de la vitesse. Voilà, on arrive à 150. On va sortir le train. Voilà. Et on va sortir du volet. On est lourd, on va sortir... On va déjà sortir la moitié et on en sortira plus quand on sera en finale. Alors, où est la piste? Bon, on la voit plus là. Elle est là-bas. Bon, on peut se préparer. Hein. Allez, hop. On va aller s'aligner. C'est que des champs en fait, hein. Je pensais que c'était de la ville moi, mais non, c'est que des champs tout ça. Donc vitesse 120 mph, c'est bon. Je suis descendu bas, trop bas. Je vois pas la piste. Et ça m'embête un petit peu. Alors elle est où cette piste? Vache, elle est où? Elle est où la piste? On va tricher un petit peu. On voit guère mieux. Bon, faut qu'on remette de la patate là. Normalement en tour de piste, on essaye de pas perdre de vue la piste. Hein. Toujours. Et là, allez là. Ah vache. Elle est juste là. Oh bah c'est pas trop trop mauvais. On a déjà fait pire. Par contre, vu comme on penche, ah, pour la voir. C'est le navigateur qui nous dit plus à droite, plus à gauche, plus à droite, plus à gauche. Bon, on était trop bas sur le plan, on avait toutes les rouges. Voilà, ça y est, maintenant on est bon. Hop, allez. On y va. Elle est où? Elle est là. C'est bien mon pépère. Allez, on s'aligne. Alors, on a signe de vent de travers, de quel côté? vent du 0,98. Donc, il vient de la droite. Ah ouais, 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 on le sent bien qu'il vient de la droite. Et on est repassé sous le plan. Allez, on lui met de la pêche. On va sortir un peu plus de volets. 3 rebonds.
Alors on a de la distance, hein. On va pas forcément aller chercher le seuil de piste. Il faut surtout aller récupérer l'axe déjà. Parce que là je suis pas bon sur l'axe. Allez hop. Vitesse 110. Allez, on récupère l'axe. Hop. C'est bon. On décrabe. Oula, on a rebondi plusieurs fois. Bon, j'espère qu'on va rien casser. Il y a une texture. Oula. Ouch. Vous avez vu le problème? La map, elle est pourrie. On a cassé du, on a cassé de l'hélice, mais c'est pas de notre faute, hein. Vous avez vu le truc là? Ah vache. C'est un scandale. C'est un scandale. Salut Mouriargor, merci pour le suivi. Alors qu'est-ce que j'ai loupé? Le commandant, pour merci d'avoir choisi Z Airline. Ouais, mais avec une piste comme ça, ça va être galère pour redécoller. Parce que c'est quasiment la moitié à chaque fois qui est mangée, quoi. Donc grosse faute dans la scène, qui n'est pas complètement plate. J'essaierai de la reprendre avec le... On a un éditeur. J'essaierai de la remettre complètement à plat. Pour voir si je peux résoudre le problème, parce que disons là on peut limite pas décoller, hein, parce qu'on a que la moitié de la piste. Ouais, c'est là qu'elle est cassée. Et c'est en plein milieu, hein. Éventuellement, on peut essayer de décoller sur ce bout-là. Si c'est dans ce sens-là, avec le vent qui est dans le même sens, si on touche ici, on pète tout, quoi. Et du coup, on décolle pas. Du coup, il a tout arrêté, tiens. Bon, il nous manque bien deux hélices, hein. Alors, normalement, dans la vraie vie, ça ne serait pas arrivé. On va dire que ce n'est pas arrivé. On n'a pas des pistes comme ça, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Pour une fois que tu ne manges pas la moitié de la piste, dit Lio. Ouais, c'est pas... Bon, on va quand même regarder le replay pour voir le nombre de rebonds. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté, l'avion. Les moteurs. Il aurait pas dû. Bon, là on est perdu, on a perdu la piste. Non, c'est pas normal. C'est la première fois que ça m'arrive sur une piste. Alors, dans le jeu, les pistes sont faites par les. Sont faites par les. Il y a des aérodromes très détaillés qui sont fournis avec. Et puis après, on peut télécharger. Mais c'est géré automatiquement. Mais c'est des joueurs qui font les pistes. Le problème de cette piste là, c'est que bah, elle est pas bonne. Elle a pas dû être bien contrôlée quand elle a été donnée. Et du coup, j'essayerai de la corriger, voir si c'est bon. Et merci Mika pour avoir offert un abonnement à Archon. Merci à toi, Mika. Hein, t'es toi un ange. C'est peut-être un joint de tuiles, ouais. Possible.
Alors, on fait une arrivée basse, furtive. Mon approche était quand même bien pourrie. Hein. Là, il n'y a pas à dire. Ça partait mal. Ça, j'arrive à toucher l'axe de la piste et pouf, pas de chance. Parce que là, on récupère bien l'axe, on gère bien la vitesse. Alors, il y a un vent de travers qui pousse depuis la droite. Hein. Sinueux, c'est pas terrible, mais ça se sent quand même un peu. Donc là, je le remets dans l'axe. Hop. Donc l'avion est dans l'axe. Il va falloir le décraber au moment de toucher. Un petit rebond. Ah, puis c'est bon. Un seul rebond. Et là, on voit le truc arriver. On le met au ralenti. Parce que là, on est bon. On est pile sur l'axe. Hein. Enfin, pile. Regardez. Regardez, on est pile sur l'axe. Ah, quand comme ça, on n'est pas pile. Ah, zut. Et puis là, il y a cette cochonnerie qui arrive. Il y a comme un petit trottoir, quoi, en fait. Ouais, Pierre, si t'avais dit un gros rebond, t'as gagné. Ouais, là, il n'y avait pas moyen de passer. Schlack. Bon. Et du coup, avec deux moteurs à droite, ah bah ouais, l'avion, il tire un peu à droite, hein. Mais bon, excellente maîtrise de la part du pilote. Qui ne va pas sortir de la piste. Par contre, je mets un tel coup, vous avez vu, un coup de dérive complètement à droite. Donc du coup, l'avion il va partir. Là, t'as beau essayer de redresser à gauche, il y a un total déséquilibre. Bon, heureusement, il n'y avait plus de vitesse. Il y avait un ralentisseur. Comment on appelle ça, des gendarmes couchés? Ah là 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 là. Non, non, il n'y a pas besoin de réparer. Prochain coup, c'est neuf. Bah, heureusement, parce que là, c'est pas de notre faute. Hein. Bon, j'ai toute la semaine pour essayer de trouver une solution pour pouvoir redécoller de là, sachant qu'on est à 1600 mètres. Donc, ça veut dire. C'est pour ça qu'il faut des longues pistes. C'est pas pour l'atterrissage, c'est pour le décollage. Parce que comme on est en altitude, il y a moins d'air et. Bon, on va se remettre le son normal, tiens. Pour le live de demain. Donc, le prochain live X-Plane. Prochain live X-Plane, bah, la semaine prochaine, même heure, 15h. Normalement, on fait Oaxaca, Mexico. Merci J1. Merci patron, je vais pouvoir remotiver Margot. Et salut Chris FLS. Ben, on arrête le live là. Moi je live demain à 14h sur du Minecraft. On reprend le Minecraft et on reprend Olicube. Donc il y aura deux lives Olicube. Demain 14h et lundi 21h. Mardi c'est le live Projet Amiens dans Minecraft à 15h. Et puis mercredi jeudi à 15h c'est de l'Olicube. Voilà. Je vais remercier les modérateurs, remercier les donateurs, merci à vous, remercier les spectateurs, on est assez nombreux pour la simulation de vol, c'est cool, et puis prochain vol, ouais, destination Mexico, Ciudad de Mexico, gros bisous. Pa 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 p